bah ça y est, me voilà à Paris, donc le plus gros du voyage est fait. Alors j'ai pas trop le temps parce que là je suis à la gare de Lyon et je vais prendre un train jusqu'à Fontainebleau. Donc pour ce soir je vais me installer dans ma base et je vous retrouve je ne sais pas où, peut-être à Fontainebleau, peut-être je sais plus comment s'appelle le bled là-bas, mais voilà, à la gare fluviale. Je suis en train de chercher le nom du bled en fait. Je sais plus. À Nemours, voilà. Donc je ne sais pas encore, en tout cas, bon bah je vous accompagne avec moi et on verra aussi le bilan du matériel pour partir en road trip. A tout de suite. Bon les amis, donc on est le lendemain, on est le 11 novembre et je pensais faire une balade de journée mais il fait un temps pourri. Alors venir à Fontainebleau sans vous montrer le château, je trouvais ça un petit peu dommage. Et comme ma base est tout près du château de Fontainebleau, eh bien je suis en train de traverser le parc pour vous faire quelques images du château. Et puis je vous parlais du drone hier soir dans la vidéo, dans la partie de vidéo où je vous montrais un petit peu le matériel que j'avais trouvé. Et puis je pensais plus à cet endroit parce que moi je ne sais pas piloter, mais là je pense que j'aurai assez d'espace, voyez-vous, pour pas trop qu'il y ait de pièges, d'obstacles pour quand je piloterai le mini drone là. Et bon, je n'ai pas retrouvé la télécommande, mais je vais retrouver, allez, certainement dans un carton. C'est un petit peu le bazar à ma base parce qu'on est deux à trier nos affaires en ce moment. Donc il y en a un petit peu partout, mais en rentrant tout à l'heure, je vais tâcher de trouver la télécommande et voir combien il faut de piles pour la télécommande. Et puis peut-être que demain, je ferai quelques images. Alors, vous connaissez mon endroit favori, là, en Normandie, où je me pose, là, dans mon petit coin de bois. Alors là, c'est... C'est pas du tout une forêt puisque c'est une partie du parc du château qui doit faire une ligne droite de 2 km entre Avon et Fontainebleau. Et après il faut traverser une rue, enfin l'entrée de la ville. Et on arrive directement au château. Et je vais vous montrer mes endroits favoris dans le parc du château de Fontainebleau. Eh bien oui, où j'aime bien venir me poser de temps en temps avec un bouquin l'été. Et des fois, ce qui est assez marrant, c'est quand même un endroit historique. Mais il y a des endroits dans le parc du château de Fontainebleau où je me retrouve souvent tout seul. Alors là, il fait pas beau, il n'y a pas grand monde. Voilà, mais cet endroit-là est assez fréquenté quand même. Mais il y a quand même quelques promenades. Là, voilà, quelques familles qui se baladent. Donc bah, je vous retrouve au château de Fontainebleau. À tout de suite. Et voilà, me voilà arrivé devant le château de Fontainebleau. Alors ici vous avez un célèbre escalier, vous pouvez voir que c'est en travaux. Mais je crois qu'il y avait eu un incendie ou quelque chose en 2018, une partie qui avait pris feu, donc je ne sais pas si c'est lié à ça. Enfin, escalier célèbre pour deux raisons. Alors déjà, c'est parce que, première raison qu'on retient dans l'histoire, bah, c'est là que le roi Louis le 15e a pécho sa femme en 1725, donc c'est il l'attendait là en habit d'apparat pour le mariage, il avait 15 ans et elle en avait 27. Et c'est aussi les célèbres escaliers où Napoléon a salué, a dit au revoir à ses armées quand il est parti de Fontainebleau, et on connaît la fin tragique de Napoléon après. D'ailleurs il y a des émissions intéressantes, L'ombre d'un doute, que vous pouvez revoir sur YouTube. Alors je vous en recommande deux. L'ombre d'un doute présenté par Franck Ferrand, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur le château de Fontainebleau. Et en même temps, il y en a une autre, un autre numéro de cette émission qui est passionnant aussi, c'est ce qui est devenu Napoléon, l'histoire de Napoléon. Est-il bien aux Invalides ou peut-être en Angleterre? Donc voilà, je vous recommande ça si vous aimez comme moi l'histoire
et je vous montre un petit peu. Voilà, il n'est pas très beau en ce moment, il est en travaux, mais une phase du château, voilà, la lumière est pas bonne. Et voilà, l'entrée principale que vous voyez peut-être au fond, moi je vois pas sur l'image, c'est un petit peu pourri. C'est vrai qu'ici, le château de Fontainebleau, pour filmer, les conditions de lumière sont souvent assez pourries, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, donc, petite balade, je vais vous amener dans mes endroits favoris, où des fois, il n'y a personne. Coucou, me voilà. Alors, je suis pas un expert en histoire du château de Fontainebleau. Tout ce que je sais, c'est qu'il aurait commencé à être construit sous Henri IV. Et les principaux moments, je vous l'ai dit, le mariage de Louis XV en 1725, c'est ça qui est surtout raconté. Alors il y a eu d'autres beaucoup d'événements. Je crois que c'est là que le pape Pie VII avait été un petit peu séquestré. Il y a eu beaucoup d'événements. Et le dernier, surtout, événement important, c'est le départ de notre ami Napoléon, qui a fait construire les ailes du château. Vous voyez que c'est pas la même époque. Alors, au début, c'était, puis ça a toujours été, la résidence d'automne des rois des cours royales, depuis Henri IV. Alors, est-ce que ça a été construit? J'ai jamais su vraiment la date de construction du château de Fontainebleau. Il y a eu un assassinat célèbre, et je vous le dis, l'ombre d'un doute, Franck Ferrand, vous retrouvez sur YouTube, l'ombre d'un doute au château de Fontainebleau, et vous allez voir, c'est une émission vraiment passionnante, où vous saurez une bonne partie des événements qui se sont passés ici. Il y a eu une tentative de suicide aussi de Napoléon. Je crois que c'est Napoléon que je me trompe. Je me mélange un petit peu dans l'histoire parce que moi j'aime beaucoup l'histoire, mais j'aime bien l'époque des rois. J'aime beaucoup l'époque des rois, de Louis XIII à Louis XVI, parce que l'histoire de Louis XVI est quand même assez tragique et passionnante à la fois, mais j'aime bien étudier comment vivait le peuple, c'est-à-dire les personnes importantes, mais les gens qui sont comme nous, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils devaient payer, parce que nous on est pris par les impôts, par les taxes, par les par tout ça, mais c'était comme ça aussi avant. Donc voilà. Donc moi je vais faire une petite balade. C'est l'automne, c'est joli en plus. On est près de la forêt de Fontainebleau. Bah oui, ils aimaient bien venir ici parce que il y avait le terrain de chasse qui était la forêt de Fontainebleau. Donc les rois venaient en automne pour chasser. Alors je sais pas s'il y avait une ouverture de la chasse comme aujourd'hui, mais je crois que non. Hein. Toute personne du peuple qui était pris à chasser, ça allait mal pour ses coucougnettes, on va dire. Donc parce que là, il y avait que le roi qui avait évidemment le droit de chasser. Tous les autres, le roi et les nobles, les autres étaient considérés comme des braconniers. Et être braconnier à ces époques-là, ça coûtait très cher, vraiment très cher. Pour avoir braconné un lapin, se retrouvaient aux galères. Donc c'était sévère aussi à cette époque-là. Hein. Ça a un petit peu changé, mais il y a quand même des points communs entre notre époque et l'époque des rois, et notamment l'époque de Napoléon. Napoléon est à l'origine de beaucoup de choses de notre société, de notre système de société aujourd'hui. Bon, voilà, je vous fais quelques images, et puis je vous retrouve peut-être... je vais continuer à me balader, je ne me repars pas aujourd'hui. Donc je vous retrouve peut-être d'abord à Nemours, ensuite à Paris. Et puis on essaiera de monter le hamac aussi. Allez, quelques images pour vous, et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Je ne sais pas encore où, mais je pense qu'on sera à Nemours.
Bon les amis, et ben ça y est, je suis à Paris. Alors là, je suis venu vers la porte de Clichy, dans un square. Alors j'avais envie de venir voir ce square parce que il y a une histoire que j'ai trouvée sur. Alors je suis en train de manger, voilà, un petit peu à la mode, en mode clochard. Excusez-moi, on parle pas à bouche pleine. Alors. Excusez-moi, je vais arrêter de manger le temps de filmer. Alors, on va aller visiter des endroits plus touristiques de Paris. Alors là, c'est pas un endroit touristique du tout. Mais j'avais envie de venir voir cet endroit parce que j'ai découvert une vidéo sur YouTube, une vidéo de Lina, à l'époque de où il y avait trois chaînes de télé. Là, c'était l'ORTF, ça s'appelait, c'est ça. Et on est en 1972 et c'est l'histoire de Thierry. Alors Thierry, je vous mets quelques images en plan de coupe, en plan d'illustration, et je vous mets la vidéo en description. Et son histoire m'a touché un petit peu parce que c'est un groupe de jeunes des années 70. Alors c'est là que ont commencé les ventes de drogue à la sauvette là dans les quartiers de Paris comme celui-ci. Et Thierry, c'était quelqu'un qui cherchait d'être libre, un petit peu comme nous les Vinelifers, mais hélas il a mal fini, comme beaucoup des jeunes bandes des années 70 qui venaient dans ce genre de square. Et Thierry est décédé en 1991 d'overdose dans le sud de la France. Mais alors ce qu'il réclamait, lui, à l'époque, c'était déjà cette liberté de s'échapper à cette société où il faut tout payer, où on est obligé à tout. Un peu comme, comme nous, comme les vanlifers là, qui ont envie de tout quitter et puis prendre un van aménagé. Alors lui, évidemment, à 15 ans, il n'y avait pas de van aménagé. Je ne sais pas si on pensait à la van life à cette époque-là. Mais toujours est-il que c'est une histoire qui m'a un peu touché. Alors j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'était devenu Thierry. Et puis, alors depuis, il y a des commentaires qui l'expliquent un petit peu plus sur la vidéo de Lina, là. Mais j'avais envie, puis j'aime bien voir, ça n'a pas beaucoup changé par rapport, vous verrez la vidéo, je vous mets quelques images, ça n'a pas beaucoup changé depuis 1972, il y a toujours ce qu'on voit, regardez la vidéo, et puis j'en profite pour faire venir pour manger mon petit pique-nique ici, et puis après, je vous propose, alors oui, excusez-moi, ça c'est mon doigt. Je vous propose une petite balade à Paris. Mais alors les mouvements de caméra avec la perche à selfie, tout ça c'est une catastrophe. Donc du coup, je pense que je ferai un album photo des endroits où je vais me balader à Paris cet après-midi. Et je vous retrouve. Je vous ferai un petit coucou de la Tour Eiffel. Ça je l'avais dit, donc je vais le faire. Je vais y aller cet après-midi. Donc voilà, la vidéo de Lina, je vous la mets en description. Quelques images, et puis vous allez voir ces petits gars là, ils sont à la fois inquiétants mais aussi passionnants. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Allez, à tout de suite, à la Tour Eiffel je pense, et puis après je sais pas où j'irai, je vais faire une petite balade sur Paris et je vous propose de m'accompagner. Bon les amis, chose promise, chose due. Alors attendez, je la cache là, voilà. Elle est derrière moi, je suis venu là, sans payer de droit. Pour l'instant, YouTube nous demande rien pour avoir la Tour Eiffel dans le champ. Donc j'avais vraiment envie de venir là, juste comme ça, pour le délire. Alors moi, la Tour Eiffel, évidemment, j'y suis habitué parce que je vais vous la montrer un petit peu mieux. Alors attendez. C'est pas facile de filmer avec ça, voilà, elle est passée de l'autre côté, elle est là.
Voilà, elle est juste derrière moi avec les gens qui passent. Ah oui, là c'est pas comme quand je suis dans mon dans mes forêts tout seul. Là je suis vraiment pas tout seul. Vous voyez, il y a du monde. Il y a des artistes, il y a des vendeurs, et voilà. Et je vous la mets parce que peut-être qu'un jour on apprendra que pour avoir la Tour Eiffel sur nos vidéos YouTube, faudra payer des droits. C'est déjà le cas pour la musique. Je sais que les professionnels qui viennent tourner ici avec ce décor doivent payer des droits. Et puis nous, non. Donc je le fais quand il est encore temps. Alors je vous disais. La Tour Eiffel, évidemment, j'y suis habitué. Pour ceux qui ne sont pas de Paris, c'est un petit peu comme aller filmer devant le clocher de votre église. Sauf que bah, là, on rencontre des artistes, on voit des gens, il y a de l'activité, il y a du monde. Donc voilà, je voulais venir un petit peu par là, tourner ici. Du coup, je voudrais rentrer avant les heures de pointe, parce que les heures de pointe dans le métro, on étouffe là-dedans, on est totalement écrasé comme des sardines, et ça, moi, je ne supporte pas. Donc, je ne sais pas quelle heure il est, en plus il fait sombre, mais je vais aller vous faire quelques petits albums photos, et puis, vous pouvez, voilà, bye bye la Tour Eiffel, les vendeurs, ils sont où? Voilà, les vendeurs à la sauvette. Non, là, ils sont pas à la sauvette. Ben, ils étaient là tout à l'heure et ils ont déjà avec des gardes, puis il y avait certainement la police par là. Donc, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, il y a beaucoup d'agitation, donc c'est difficile de se concentrer. Du coup, bon, je vais vous faire un petit album de photos là où je vais aller me promener. Je sais pas si vous m'entendez. Ce qui serait bien ici, c'est d'avoir le micro, effectivement. Donc du coup, ça fait 15 fois que je dis du coup, je vous fais un petit album photo parce que les mouvements de caméra, je fais comme je peux, mais c'est la catastrophe. Donc je vais me balader et puis je vous mets une musique et quelques photos, voilà. Ciao, bye bye. We'll be right back.
Bon, ben voilà, je vous retrouve à ma base pour la fin de cette vidéo. Alors, oui, je vous avais vu marquer au début de la vidéo, j'ai perdu une partie de mes tournages. Enfin bon, ça a été un petit peu laborieux de tourner tout ça. Il manque une partie, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Je vous parlais, quand j'allais au château de Fontainebleau, d'un drone. Alors, c'est vrai que j'avais fait une vidéo au début où j'avais présenté un petit peu le matériel que je retrouvais, tout ça, il y avait pas mal de trucs, mais ben là j'ai plus le temps de le faire puisque j'arrive à la fin du voyage. Alors, pour la fin, je vais vous montrer le drone dont je parlais. Alors, c'est un jouet, voilà. Mais je me suis aperçu qu'il avait une caméra. Je m'en suis jamais servi, à part le faire décoller un petit peu dans la maison. Voilà, je m'en suis jamais vraiment servi. Mais il a une caméra et sur la télécommande que j'ai retrouvée, du coup, excusez-moi pour la coiffe, mais vous êtes habitué. Eh ben, le drone il filme. Donc, ce que je vais faire, j'ai pas eu le temps de le. Vous voyez la différence de taille entre la télécommande et le drone lui-même. Voilà, donc c'est clairement un jouet. Apparemment, il peut filmer pendant entre 5 et 10 minutes après la batterie est à plat. Mais peut-être que bah, ça vous coûte quand même de l'emmener. Donc je vais l'emmener en Normandie. Et dans l'une des prochaines vidéos, bah, j'essaierai de tester avec vous. Il y a de quoi mettre une micro SD. Donc voilà. Alors ce n'est pas un drone, évidemment, comme on peut en voir sur des chaînes YouTube avec des magnifiques images, mais il monte à 20 ou 30 mètres d'altitude. Voilà, après il faut que j'apprenne à le piloter, ça c'est encore autre chose. Mais bah, le voilà, et puis ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, je testerai. Oui, je vais pas vous remontrer, mais j'ai retrouvé le hamac dont on parlait dans une de mes précédentes vidéos. Voilà, j'ai perdu 26 minutes, mais en même temps ça évite que la vidéo soit trop longue. En tout cas, j'espère que ce petit voyage en Île-de-France est le premier, parce qu'il y en aura plusieurs, on n'a pas eu le temps de voir. Alors j'étais beaucoup, beaucoup emmerdé. Question technique, parce que avec une perche à selfie, un téléphone, vraiment faire des vidéos enfin, intéressantes, c'est l'objet de la vidéo, mais techniquement intéressantes, c'est quasiment impossible. Et sachant que, bah voilà, je vous parlais de mon ordinateur, mais cet ordinateur-là, il est là, il est mort, là, vous pouvez pas le voir, non, on voit pas, mais l'écran est cassé de l'intérieur. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de le relier à cet écran-là. Où il est mon doigt là, à cet écran là qui est un écran tout à fait normal par HDMI. Mais alors le problème c'est que il y a une opération à faire avant sur cet ordinateur là, il faut voir l'écran, donc je peux pas le disque dur, tout ça fonctionne, et puis même pour c'est un vieil ordinateur, et du coup bah, je pourrais pas faire grand chose. Il fait 2 gigas de RAM, il a une carte mère assez faible et tout ça. Et avec ce qu'on a aujourd'hui, les applications, les logiciels de montage, bah, je ne serais pas beaucoup plus avancé qu'avec mon téléphone. Sauf qu'il serait plus pratique pour caler les images, par exemple, avec le téléphone, avec Vlogit, c'est quasiment impossible. Donc du coup, voilà, et j'avais de la manque de mémoire même dans ma carte, ma mini SD. Donc du coup, j'étais obligé de monter des séquences. D'ailleurs, quand je fais cette vidéo, cette partie de vidéo, j'ai pas fini tout à fait le montage. Je monte des séquences, séquence par séquence, c'est-à-dire que j'ai monté la partie Fontainebleau, la partie Paris, la partie de départ de Bernay, et voilà, en utilisant toutes les images, les plans de coupe. Une fois que c'est monté, je garde mon montage, mais j'efface mes images d'origine pour avoir de la place pour pouvoir faire le montage final. Du coup, c'est vraiment pas des conditions pour des vidéos YouTube. En plus de ça, bon bah la perche, dès qu'on fait avec le téléphone, dès qu'on fait un mouvement, vous voyez. Vous m'excuserez pour la qualité des mouvements de caméra et tout ça. Je sais bien que c'est pas terrible, mais je peux vraiment pas faire autrement. La perche à selfie et le téléphone. Alors le téléphone, c'est un Samsung J6 Plus de 2018. Il est très bien pour regarder des vidéos. Il a une bonne qualité pour regarder des vidéos. Mais je trouve, moi, alors qu'il a un double objectif, je trouve qu'il filme mal mes images.
images à Paris, j'étais obligé de faire un album photo parce que j'avais essayé de tourner des images de nuit, de bâtiments qui étaient bien éclairés et tout ça. J'en ai à peu près réussi quelques-uns avec, vous l'avez vu, la tour Montparnasse, mais j'ai essayé les Invalides qui étaient magnifiques, éclairés, voilà, c'est une catastrophe, c'est tout flou, j'ai eu beau essayer de faire des réglages. Donc du coup, matériellement, je suis dans des conditions de merde pour faire les vidéos YouTube. Du coup, mais je continue, je sais pas pourquoi je dis du coup tout le temps, là, cette vidéo-là, vous l'avez remarqué, voilà, il faudra que je perde cette habitude-là. Donc, et le E aussi. Faudra que je le perde. Pour finir cette vidéo, parce que là, ça fait une semaine que je suis ici en région parisienne, j'ai décidé de prendre un petit apéro avec vous. Donc j'ai préparé un petit apéro. J'ai acheté une petite bouteille. Alors je vais en boire très peu, hein, parce que voilà, d'un vin dégueulasse. Donc c'est un rouge. Alors là, je fais un petit hommage à Kangouvan. Je suis allé dans son bled de Nemours, c'est de là qu'il a fait beaucoup de vidéos de tests de chauffage et tout ça. Donc, comme le veut la tradition lancée par Kangouvan pour les Vinelifers, un vin dégueulasse se boit dans un verre en plastique. Donc, je vous propose de goûter ce vin rouge. Alors, Kangouvan, si tu vois cette vidéo, tu m'excuseras, moi c'est le rouge, le rosé et le blanc, ça va, mais il faut que ce soit du bon blanc, mais le rosé, j'aime vraiment pas ça. Donc, un vin dégueulasse dans un gobelet en plastique. Et voilà. Pas si dégueulasse que ça, d'ailleurs, assez léger. Moi, je bois pas des vins très forts. Voilà, il a combien de pourcents d'alcool? 12,5% du volume. Donc c'est pas énorme et vous me verrez pas boire de l'alcool à chacune de mes vidéos, loin de là, parce que je suis pas un grand buveur et tant mieux. Voilà. Mais je prends l'apéro pour finir cette vidéo. Retour pour moi en Normandie demain ou après-demain. Sachant que là j'ai fait quelques petits. Je suis allé au restaurant avec le propriétaire de ma base. J'ai pas tout filmé évidemment. Je devais aujourd'hui tourner ailleurs à Moret parce que c'est assez joli, mais je le ferai une prochaine fois parce que j'ai pas un temps terrible. Et en plus. Lucas, un jeune de la radio, m'a demandé, est-ce que tu peux faire une émission cet après-midi avec moi? Donc du coup, j'ai fait l'émission sur Webado, donc j'ai pas pu aller tourner. Et puis la vidéo est assez longue comme ça, donc je bois à votre santé. Je vous dis, on parle pas la bouche pleine. J'espère que cette vidéo de premier voyage en Île-de-France vous aura plu. On se retrouve bientôt en Normandie pour le test du hamac de ça là comment, du drone voir un petit peu. Je vous dis ciao bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et un vin dégueulasse dans un gobelet en plastique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en Normandie.